هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات. Chères auditrices, chers auditeurs de notre radio, bienvenue. Radio des Sans Voix vous propose pour cette semaine, dans son nouveau numéro de Valeurs humaines, un numéro spécial, vulgarisation scientifique. Nous allons parler de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Comme nous le savons tous, que la vie aujourd'hui semble être difficile partout dans le monde. Une terreur terrifiante. La population mondiale est en danger. L'Algérie, pays du Maghreb, n'est pas épargnée de cette pandémie mondiale. Nous sommes aujourd'hui à plus de 141 000 cas depuis le début de la pandémie. Nous avons plus de 978 cas par jour enregistrés. Pour traiter ce sujet, Radio des Sans Voix reçoit Dr Rahima Sehri, médecin urgentiste à l'hôpital de Zeralda. Comme nous avons aussi recueilli pour vous un sondage dans lequel les habitants d'Alger ont répondu à nos questions. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات. Bonne écoute. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous savez c'est quoi une vulgarisation scientifique? Oui, je sais ce qu'une vulgarisation scientifique c'est. En fait, la vulgarisation scientifique, c'est l'acte de simplifier l'information scientifique, ou bien de rendre accessible l'information, ou bien les données scientifiques, le rendre accessible au commun des gens. Ça veut dire rendre une information intelligible pour qu'elle soit à la portée de tout le monde. C'est ça. Est-ce que vous avez entendu de la campagne de vaccination en Algérie contre le coronavirus? Oui. D'accord. Oui, j'ai vu les chapiteaux qui sont installés à la place de 1er mai, en face de l'hôpital Mustapha. Donc, je suis au courant. Est-ce que vous vous êtes vacciné? Non, pas encore. Non, pas encore, mais je compte le faire. Oui, prochainement. Est-ce que vous avez à peu près, approximative, des chiffres de personnes vaccinées en Algérie? Non, sincèrement, aucune idée. Je ne sais pas si l'information n'est pas là, c'est-à-dire si c'est par manque de communication, ou bien si mon erreur, je ne sais pas. Pourquoi, à votre avis, ce refus-là des Algériens au vaccin? Parce que moi je dirais que on communique pas trop sur le vaccin, on n'en parle pas trop du vaccin, on rassure pas la société ou les citoyens de l'intérêt du vaccin ou de l'obligation de se faire vacciner. Moi, à mon sens, que les gestes barrières ne suffisent plus à la situation dans laquelle on est là maintenant. Bon, d'emblée, je pense qu'il faut parler en premier lieu du travail des pouvoirs publics qui ne sont pas vraiment faits, parce qu'on parle de non-transparence des chiffres communiqués, de non-transparence l'État ne communique pas les statistiques exactes de la situation pandémique en Algérie. Donc, je pense qu'il y a déjà un fossé d'emblée. Il faut parler d'un fossé entre les pouvoirs publics ou ceux qui sont censés gérer cette pandémie et les citoyens. C'est par manque de confiance peut-être. Ils ne font pas confiance soit aux vaccins, soit aux autorités. Est-ce que c'est pas les fake news, les fausses informations oui, qui ont fait ça? Il est fort possible que les fake news aient un impact, oui. Ou bien, on
d'autres termes, c'est-à-dire ça incombe aux fake news, c'est-à-dire ce refus-là, c'est parce que les gens ont peur, et en plus... On a vu ces derniers jours des campagnes qui ne sont pas vraiment... qui sont constituées de toutes pièces afin de mener un travail contre la vaccination. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un travail qui se fait pour que les Algériens ne puissent pas aller se faire vacciner. Des effets secondaires, peut-être, oui. On entend toujours parler à la télé, genre fièvre... Des douleurs abdominales. Des douleurs, voilà, mais c'est pas, on ne devrait pas avoir peur des effets secondaires et négliger le danger du Covid. On n'a pas la culture d'aller consulter les sites officiels tranquillement, d'avoir l'information des sources de confiance. C'est ça le problème, à mon avis. Les gens n'ont pas cette culture ni cette habitude. Quelles sont les fake news qui circulent le plus les sur fake news la toile, c'est-à-dire sur les, concernant les vaccins, les fake news qui circulent le plus, c'est qu'ils entraînent des effets secondaires parfois mortels. Donc c'est pour ça, ça explique en quelque sorte l'abstinence, c'est ça. Ça explique en quelque sorte que les gens s'abstiennent ou bien refusent de se faire vacciner. Est-ce que vous pourrez nous dire que doit-on faire, c'est-à-dire le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il doit faire pour rendre cette crédibilité et donner une certaine crédibilité à ce vaccin? Je pense qu'il serait primordial d'engager une stratégie de communication, de nouer ou bien afin que la confiance puisse rétablir la confiance, communiquer les informations par les canaux officiels, donc de ceux qui sont censés gérer la pandémie, combattre les fake news et parler en toute transparence sur la pandémie, sur les vaccins et sur les effets secondaires qu'engendrent ces vaccins. Par exemple, le ministère de la Santé doit faire plus d'efforts. Est-ce qu'une campagne suffit? Une campagne médiatique? Oui. Mais il n'y en a même pas. Donc, ça peut suffire, ça pourra être qui fait un polo. Ça peut suffire. Oui, une campagne médiatique bien étudiée, pourra suffire. Bien pensée et bien faite, ça suffira. Est-ce que vous avez une idée sur les chiffres des personnes atteintes du corona? On est à combien aujourd'hui? Non, j'ai pas une idée, j'ai pas d'idée précise. On est à 497 cas par jour. Par jour. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعيات. Bonjour docteur. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Alors, comme première question, docteur, c'est quoi un vaccin anti-Covid? Un vaccin anti-Covid, c'est un gène codé, c'est un gène du virus codé, et on le met sur un virus vecteur, un virus atténué vecteur. Pour provoquer une réaction immunitaire et une production d'anticorps, les anticorps rendements, ils vont par la suite, par exemple, si le corps humain contracte le virus, le SARS-CoV-2, donc il a déjà ces anticorps qui vont neutraliser le Covid. Donc, il protège, donc ça va créer une immunité contre le vrai Covid. Quels sont les types de vaccins existants en Algérie? En Algérie, donc pour le moment, le vaccin chinois qui m'a, il y a le Sinovac, le Sinopharm, le Sinovac.
aucun d'AstraZeneca. On avait le Sputnik. Le Sputnik, pour le moment, il n'est pas disponible. Actuellement, il n'est pas disponible, mais il y a le chinois et l'AstraZeneca. Maintenant, docteur, est-ce qu'un vaccin nous protège du Covid-19? À propos de la protection du vaccin contre la Covid-19, donc, pour qu'on soit clair, le vaccin, il ne protège pas à 100% de contracter le virus, mais il protège contre la forme grave de la maladie. Il protège de la forme grave de la maladie, ce qui est très important parce que contracter le virus et faire une petite forme légère ou bien une forme asymptomatique et faire une forme grave qui nécessite de l'oxygène ou bien un passage en réanimation ou le décès, la différence et l'importance du vaccin. Alors on dira à nos auditeurs que le vaccin, c'est un plan d'attaque, il riposte le virus et nous protège. Il y a une protection, quelque part, c'est-à-dire... Oui, absolument. Absolument, il y a une protection, absolument. Donc, par exemple, comme certains vaccins, donc ceux qui sont disponibles, il y a comme le Sputnik, il avait une protection à 91%. Il y a le chinois. Bon, je peux pas être très précise parce que je peux pas être très précise. Par exemple, une protection à 87% de contracter le virus, mais le plus important, il protège de la forme grave de la maladie. Car il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux contre ce vaccin déjà. Il y a une autre campagne. Les gens n'ont pas compris parce qu'ils voulaient à quoi bon de faire le vaccin et contracter le virus. Mais c'est important aussi, c'est-à-dire entre faire une petite forme légère, une petite fièvre ou bien une petite toux comme ça, et faire une forme grave qui nécessite hospitalisation, qui nécessite de l'oxygène, qui nécessite des traitements lourds, ou la qui nécessite la réanimation, ou bien une forme qui peut engager le pronostic vital, c'est là le plus important. Donc, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de rumeurs, c'est-à-dire, tout le monde qui se permet de parler, de publier, de leur à quoi bon faire le vaccin et contracter le virus, mais non. Déjà, il protège. Il protège. Bon, ce n'est pas une protection à 100%, mais il protège quand même. C'est-à-dire, contracter le virus, entre 100% risque de 100% et risque de 9%, c'est quand même très important. C'est une expérience personnelle. Oui. J'étais moi-même en contact avec une personne positive et je suis vaccinée depuis 3 mois et en fait je n'ai rien développé, alhamdoulilah, avec une PCR négative. Donc il m'a personnellement il m'a protégée. Alors là, on peut rassurer la population. Oui. Parce qu'on on revient toujours vers nos auditeurs pour dire qu'il n'existe aucune preuve scientifique qui dit que ce vaccin soit nocif. Et pour le système respiratoire. Jusqu'à maintenant, bon, c'est-à-dire pour qu'on soit d'accord, n'importe quel médicament, n'importe quel produit, il y a des effets secondaires qui sont décrits comme ça. C'est-à-dire, par exemple, ce vaccin actuellement, en Algérie, on n'a pas noté d'incident grave avec. C'est-à-dire, un vaccin déjà, il ne sera pas autorisé. Il ne sera pas autorisé, c'est-à-dire s'il entraîne une atteinte grave ou bien il ne sera pas autorisé déjà. Bien sûr, donc, voilà. Les autorités scientifiques, ils ne sont pas. Bon, c'est-à-dire, je parle au court terme, parce que quand même, c'est des vaccins récents. L'urgence de la situation n'a pas permis, c'est-à-dire, d'observer les effets secondaires à long terme. On ne sait pas encore, donc on observe. Mais pour le moment, il n'y a pas de souci. D'accord. Bien sûr. Mais déjà, avant qu'il soit approuvé à l'usage, il a été testé, c'est clair. Il a été testé avec plusieurs étapes, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, bien sûr. C'est-à-dire, bien sûr. Et même quand ils sont déployés à l'usage, les scientifiques continuent de surveiller. Oui, il y a des millions de personnes dans le monde qui sont vaccinées. Il y a des millions et des millions de personnes qui sont vaccinées, donc... Mais ça, bon, l'effet secondaire. Donc, n'importe quelle molécule, n'importe l'autre, il y a quand même des petits effets secondaires comme ça qui, ça peut survenir avec n'importe quelle molécule, n'importe quel médicament. Donc, si on s'attarde à éviter les effets secondaires, on n'aurait pas traité nos malades. Maintenant, docteur, on va parler de la post-vaccination. Tiens, oui. Même après le vaccin, les citoyens
doivent se protéger. On a de nouvelles mesures à respecter et des normes. Oui, bien sûr, Chef, tu m'as dit que le vaccin, il ne protège pas de contracter le virus ni de le transmettre. Donc, même si je suis vaccinée, je suis immunisée contre le virus, si je l'attrape, je peux le transmettre. Donc, je dois me protéger moi-même et protéger les autres en respectant, bien sûr, les gestes barrières et le port de bavette. Les gestes barrières, le port de masque, l'hygiène des mains, la distanciation, etc. D'accord, pour le moment, on ne peut pas laisser tomber, sauf, par exemple, si toute la population, toute la population, c'est pas possible, si la majorité écrasante sera vaccinée, peut-être on peut envisager l'arrêt des mesures barrières, oui. Voilà, même les personnes vaccinées, elles doivent respecter les mesures barrières. Je voulais mettre l'accent sur un truc très important, qui est mettre fin à l'infotox et aux fake news. Tout ce qui se dit dans la rue n'est pas vrai. Parce que là, exemple, quand on a discuté tout à l'heure, je disais que même les questions routines laissent les gens un peu, c'est un grand problème, c'est parce que il y a tout le monde qui a accès, au réseau, c'est le désavantage, si on veut dire, des réseaux sociaux, c'est tout le monde qui a accès à la publication, accès à la parole. C'est tout le monde qui se permet de critiquer sans fondement, sans connaissance scientifique, et ça aggrave vraiment la situation. Et là, c'était dès le début, vraiment le vaccin, la maladie elle-même. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, quelles sont les sources fiables qui pourront nous donner des informations rigoureuses sur le vaccin, C'est les sociétés savantes. L'OMS. L'OMS, les articles scientifiques, Et s'éloigner de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là. C'est les vidéos par-ci, par-là, et il faut faire confiance aussi aux professionnels, de ceux qui sont sur le terrain, surtout. Voilà, donc. D'accord. Un dernier mot pour rassurer les enfants, c'est-à-dire même les adultes, du stress là, du Covid. Est-ce que vous pourrez donner quelques... Le stress est un destructeur du système immunitaire. Donc, faut préserver son système immunitaire, Kimégoulo. Faut rester positif. Il faut faire ce qu'il y a à faire, les mesures barrières, se faire vacciner et éviter le stress, la panique, parce que le stress est le premier ennemi du système immunitaire. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Sur ce, chers amis et auditeurs de notre radio des Sans-Voix, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. هذا المحتوى الإذاعي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، تونس والجزائر. تشرف عليه كل من جمعية مبادرات مواطنة، منظمة إغيم والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.